Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, au début de cette année et tout au long de cette année, par ton Esprit, enracine-nous dans la parole, celle que tu nous dis à travers les témoins de la Bible. Enracine cette parole en chacun de nous, qui est ton oui fidèle, qui est ton amour inconditionnel envers chacun et chacune de nous. Oui, donne-nous ainsi le courage de la liberté, le courage de nos choix, le courage de nous tenir droit, le courage d'être nous-mêmes comme tu veux que nous le soyons. Nous te le demandons. Au nom de ton amour manifesté en Christ, dont rien ne peut nous séparer. Amen. Amis, frères et sœurs, en ce dimanche de l'éducation biblique, nous poursuivons notre découverte des récits de vocation. Et depuis le mois de septembre, nous sommes en chemin avec les différents appels que Dieu a faits à certains personnages de la Bible, comme Abraham, Noé, Moïse et le jeune Samuel.
Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'appel que Dieu fait à Jérémie. Jérémie est avec Ésaïe et Ézéchiel l'un des trois grands prophètes d'Israël, non seulement à cause de la taille de son livre, qui contient 52 chapitres, mais aussi parce qu'il est la référence la plus citée dans le Nouveau Testament. Alors Jérémie est souvent appelé « prophète de malheur », parce qu'il prévient le peuple d'Israël des malheurs qui l'attendent. Il vit dans un monde troublé sur le plan religieux et sur le plan politique. Le roi Josias, dernier roi du royaume de Juda, a entrepris une réforme religieuse suite à la découverte, dans les sous-sols du temple, d'un manuscrit contenant des récits et des lois pour le peuple juif. On l'appellera d'ailleurs la deuxième loi, Deutéronome en grec, et c'est le cinquième livre de la Torah. Mais cette loi n'est pas facile à mettre en place parce que le peuple d'Israël vit en tension entre son désir de revenir à Dieu d'une part et celui de vivre comme les autres peuples d'autre part. Le royaume de Juda est également tiraillé sur le plan politique, coincé entre deux pays immense et hégémonique, l'Égypte et Babylone en Assyrie. Et pour trouver sa place sur l'échiquier politique, le royaume de Juda hésite longtemps avant de faire le mauvais choix et de s'allier à l'Égypte, alors puissance déclinante. Et c'est donc dans ce contexte nébuleux que Jérémie reçoit sa vocation. Et le message qu'il doit délivrer ne fait pas très plaisir. En effet, il doit annoncer la prophétie de désolation sur le royaume de Juda, la destruction de Jérusalem et du temple. Personne n'a envie de le croire. Et quand sa prophétie se réalise et lorsque Jérusalem est effectivement détruite, ainsi que le temple, par Nabuchodonosor, et qu'une grande partie de la population est emmenée en exil, alors Jérémie lui-même est persécuté et emprisonné en Égypte. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Jérémie reçoit sa vocation, disons, vers 627. Jérusalem sera détruite en 587. Il s'écoule donc 40 années durant lesquelles Jérémie va assumer son rôle de prophète jusqu'au bout. Le témoignage qu'il écrit dans son livre à la première personne du singulier, ce qui en fait pour partie un récit autobiographique, est particulièrement touchant et interroge en profondeur les lecteurs que nous sommes. Comment être prophète en temps de crise ? Lorsque tout va mal, faut-il dire en plus une vérité qui fâche ? C'est ça la mission peu enviable de Jérémie. Lorsqu'il demande au peuple de changer de vie, personne ne l'écoute. On lui interdit aussi de parler dans le temple. Lorsqu'il demande au peuple d'accepter le joug de l'ennemi, les visages se ferment et lui se retrouve enfermé dans une citerne. Comme tous ceux qui sont appelés, Jérémie ne choisit pas de devenir prophète. Mais dans le cas de Jérémie, il semble qu'il ne puisse pas échapper à son destin, puisque Dieu lui-même l'a consacré, mis à part pour son service avant sa naissance, parce qu'il le connaissait avant même sa conception. N'ayons pas peur des mots, c'est un exemple de prédestination absolue. « Je t'ai mis à part, dit Dieu à Jérémie. » Et Jérémie est un être à part bien plus qu'on ne l'imagine. Il vit à Anatot, un village près de Jérusalem. Il est issu d'une famille de prêtres. Mais cette famille porte une blessure. L'ancêtre de sa famille, Ébiatar, a trempé dans un complot contre Salomon. Depuis, ses descendants sont relégués à Anatot sans avoir le droit de s'installer ailleurs. Et ils ne peuvent pas pratiquer en tant que prêtres dans le temple de Jérusalem. Ainsi, en tant que fils de prêtre, Jérémie est au centre de la foi d'Israël,
mais en tant que descendant d'Ébiathar, il est exclu. Mais en appelant Jérémie, Dieu l'inclut dans son projet, celui de dire au peuple la vérité au risque de sa vie, de dire aussi qu'en dépit de cette vérité quelque part inaudible parce qu'elle dérange, Jérémie proclame la fidélité de Dieu envers son peuple et lui renouvelle tout de même sa confiance. Et cette confiance permettra au peuple de démarrer un projet nouveau le moment venu. Et cette confiance, Jérémie est en train de la vivre, car finalement, en allant l'appeler à Anatot, Dieu ne rejette pas la famille des prêtres maudits. Et c'est là une mission prophétique, on ne peut plus paradoxale. Alors, la vocation de Jérémie s'inscrit dans ce contexte embrouillé, au cœur de nouvelles tensions spirituelles, diplomatiques, personnelles. Et comme toute personne appelée, il résiste. Mais la timide objection de Jérémie ne pèse pas lourd dans la décision divine. « Éternel, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Ce à quoi l'Éternel lui répond, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Et Dieu ajoute cette promesse qui accompagne tous ceux qui sont appelés, « n'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » Alors Jérémie ne peut échapper à sa mission. Sa vocation est exigeante et il est prévenu dès le début de la difficulté de sa mission. Et cette difficulté est annoncée d'emblée. « Aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » Ou encore, selon d'autres traductions, « déraciner et renverser, ruiner, démolir, rebâtir et replanter. » 6 verbes, dont 4 négatifs et seulement 2 positifs. La mission de Jérémie est authentifiée par la vision qui suit. 2 symboles que sont la branche d'amandier et le chaudron bouillant ou bouillonnant. En hébreu, le mot amandier veut dire aussi veilleur ou athée. La particularité de l'amandier, c'est de fleurir précocement alors que l'hiver n'est pas terminé. L'amandier dit en quelque sorte le printemps avant l'heure. Porteur d'espérance, il dit d'une certaine façon que la vie est plus forte que toutes les obscurités. L'amandier est un veilleur, il hâte la venue du printemps. Mais ce veilleur n'est autre que Dieu lui-même, qui reste le veilleur attentif, fidèle et infatigable de son peuple. Même si le peuple se détourne de lui, même s'il oublie l'alliance inaugurée par Moïse, même s'il se tourne vers d'autres dieux, Dieu n'oublie pas son peuple pour autant et continue de veiller. Tout en affrontant la réalité de son existence. Et c'est ce que le 2e symbole exprime par la vision du chaudron. Bouillant, bouillonnant, évocation peu rassurante de ce qui attend le peuple d'Israël. Et ce chaudron brûlant désigne la menace qui vient du nord. C'est la menace des troupes babyloniennes qui s'apprêtent à envahir le royaume de Juda. Tout en annonçant la radicalité de la parole de Dieu, Jérémie annonce aussi la promesse de Dieu de ne pas abandonner son peuple. Et l'autorité de Jérémie va prendre racine dans la confiance qu'il fait lui-même à Dieu. Mais une confiance mise à l'épreuve physiquement, parce que Jérémie vivra sa mission en prise aux menaces permanentes,
Au fond, Jérémie ne va rencontrer que des difficultés. Et c'est même emprisonné en Égypte qu'il verra la réalisation de sa prophétie par l'exil d'une partie de son peuple. Alors c'est peut-être pour cela que ce récit de Jérémie est prophétique et touchant. Non seulement par la vérité spirituelle, politique et personnelle qu'il contient, mais parce qu'il nous met aujourd'hui en face d'une vocation qui n'est pas facile à assumer. Et si nous lisions tout le livre de Jérémie, nous nous apercevrions que, finalement, ce récit alterne en permanence de confession de foi du prophète en interrogation profonde qu'il crie à Dieu. Il ose dire son désespoir et ses doutes autant que sa joie et sa confiance. Il fait des reproches à Dieu sur la violence de sa mission, mais en même temps, il manifeste sa confiance en achetant un champ. Il désespère du peuple d'Israël au cœur dur, incapable de se convertir, mais il prophétise que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et en cela, nous pouvons saluer en Jérémie un modèle de croyant libre dans la relation qu'il entretient avec Dieu. Et Jérémie sert son Dieu avec l'ensemble de sa personnalité, avec le doute et la foi, le sentiment de se sentir abandonné comme celui d'être tout de même accompagné, avec ses hauts et ses bas, avec ses forces et ses faiblesses. Parce que un prophète, c'est tout, sauf un super-héros. Et Dieu fait avec l'ensemble de la personnalité de celui qu'il a choisi. Parce que si le prophète doute de Dieu et de la mission qu'il lui a confiée, Dieu, lui, croit en son prophète, tout simplement parce qu'il croit en l'homme. Alors, nous l'avons entendu tout à l'heure, Dieu fait la promesse de graver sa loi dans le cœur de l'homme, en qui il ne cesse de croire. Sans le contraindre à la fidélité, qui ne serait plus un choix libre, Dieu attend patiemment la réponse de l'homme, parce que, selon cette expression si chère à mon cœur, l'homme est une espérance de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est en mutation. Celui que nous connaissons ou que nous croyons connaître va disparaître. Un autre est en train d'arriver. Dans lequel les mêmes questions de justice, de vérité, de protection des plus faibles, de solidarité avec les plus démunis, entre autres, continueront de se poser exactement comme elle se posait au temps de Jérémie. Nos institutions politiques et ecclésiales vacillent, mais chacun pour notre part, nous recevons un appel, une vocation à ne pas désespérer, mais à inventer de nouvelles manières de construire demain. Et là, je fais juste une pause parce que je m'adresse vraiment aux enfants de caté et pré-caté. Alors, on a le choix. C'est-à-dire que soit nous lavons les mains de ce qui va advenir à ceux qui nous suivent, soit, croyant ou non, nous recevons cette mission d'abord humaine, qui petit à petit devient une responsabilité incontournable, de dénoncer ce qui abîme l'homme, la femme et l'enfant, et le menace dans sa dignité et son équilibre, mais aussi d'avoir le courage de dénoncer le pouvoir de l'argent et de la corruption qui laisse les plus faibles sur le trottoir. Nous avons aussi le devoir de dénoncer les intégrismes religieux et politiques synonymes d'obscurantisme, distillant la peur pour mieux asservir ceux qui se laissent aveugler. Alors voilà, ce n'est pas réjouissant, me direz-vous, mais ce n'est pas plus réjouissant pour nous que pour Jérémie, parce que notre mission n'est pas si différente. Alors évidemment, tout comme Jérémie,
et tous ceux qui ont été appelés avant lui et aussi après lui. Nous pourrons objecter cet appel qui nous est lancé, chacun selon nos charismes et là où nous sommes placés, prétextant invariablement que nous sommes incapables d'un tel engagement. Mais je voudrais juste me souvenir avec vous d'une petite phrase que j'ai relevée au cours d'une de mes nombreuses lectures. Souvenons-nous que Dieu n'appelle pas des gens capables, mais il rend capables ceux qui l'appellent. Amen.